Move. Je sais pas si t'as vu cette semaine, mais si tu bouges pas, tu vas tout voir. Je sais pas si t'as vu, Google veut protéger les données sur Gmail. Face aux critiques sur la protection des infos personnelles sur Internet, la messagerie la plus utilisée au monde va lancer son mode confidentiel. En l'activant, les mails seront protégés, impossible de les imprimer, de les transférer ou de copier-coller leur contenu. On pourra même envoyer des messages qui s'auto-détruisent au bout d'un certain temps. Ouais ma poule, il y a moyen de faire ça aussi pour les textos qu'on envoie bourrés à 5h du mat, notamment ce week-end. Je suis dans la merde, j'ai merdé grave. Je suis dans la merde. Je sais pas si t'as vu, mais Kendrick Lamar a gagné un prix littéraire. C'est le premier rappeur de l'histoire à recevoir le prix Pulitzer, qui récompense les meilleurs journalistes, écrivains et aussi les musiciens. Mais d'habitude, c'est des trucs genre des opéras chinois qui gagnent. Ils ont un peu moins de buzz, même avec le streaming. Là, c'est genre comme si Booba, il avait gagné le Goncourt-zer. Alors, on dit le Goncourt, hein? Non, parce que le Pulitzer, il s'appelle tout le temps comme ça. C'est pas le prix Pulit. Et comme c'est Kendrick qui a gagné pour faire plus hip-hop, ils ont 10 airs à la fin. Attention! Je sais pas si t'as vu, la Casa des Papel aura une saison 3 l'année prochaine. C'est une annonce officielle de Netflix. Ils ont même sorti une bande-annonce, alors qu'ils ont rien tourné. Mais ils ont vu la série chez Netflix, ou pas? Non, parce que là, l'histoire, elle est finie. Hein. Ah, mais chez Netflix, c'est des gorilles de rue. Hein. Tant que ça marche, ils continuent. Ils sont même capables de faire la suite de Titanic avec Gérard Depardieu et Vin Diesel. Et on va regarder, en plus! Je sais pas si t'as vu, Big Flo et Ali ont donné 100 000 euros au Secours Populaire. Après 4 concerts surprises aux Zénith de Toulouse, ils ont reversé tout l'argent du dernier soir à l'association qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Eh mais c'est bon, pourquoi on n'en parle pas? Moi aussi je le fais, j'ai tout donné depuis le début de ma carrière. Ah ouais? T'as filé combien? 13,50€. Et comment tu t'appelles? Moi c'est MC Cille en famille. Avant je m'appelais M6, mais ces bâtards de la télé ils m'ont mis un procès. MC Cille en famille. Eh, je peux faire un freestyle ou pas? Je sais pas si t'as vu, Kanye West va sortir 2 nouveaux albums. Il a annoncé ça sur Twitter. Il y aura un album solo de 7 titres le 1er juin et un album en duo avec Kid Cudi la semaine d'après. Mais il refait de la musique? Il fait plus de chaussures? Si. Il a posté plein de photos de nouveaux modèles de Yeezy. Il fait même des claquettes maintenant. Enfin, on dirait plutôt des crocs. C'est pour homme ou pour femme? Je sais pas pourquoi. Bah pour savoir si c'est des crocs monsieur ou des crocs madame. J'aime l'humour. On était gratinés celle-là. Comme les crocs. Oh je m'arrête plus. J'ai un blog. Je fais... Non. Bon là normalement t'as à peu près tout vu. Mais je sais pas si t'as vu, c'est tous les soirs à 19h sur tous les réseaux de Move. Twitter, Insta Story, YouTube et Facebook. Il suffit de taper Move puisque ça s'appelle Move. Tu es connecté sur Move.